Et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre 15e mission solo sur Icarus Payday Extraction. Et aujourd'hui, on continue doucement de se préparer pour extraire le minerai. Allez, en route. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'herbaliste. Ouais, Epoxy, c'est soufre et trisap. Donc, trisap déjà. Fais-moi un peu. Et normalement, je peux faire des petits bois sur moi. Ah, je peux faire de l'époxy avec le crushbone aussi, oui. C'est bien ça. Ok, toi. Yes. Tu me fais une enclume. Et derrière, pour la suite, j'ai pas débloqué la suite. Non, j'ai pas débloqué la suite. Il me faudra ça, il me faudra ça, ça. Je débloquerai la titanium axe. Le reste, j'aurai besoin de ça. Ah oui, avec un banc de dépeçage, oui, mais là je suis pas tellement embêté par la foire. En fait, même. Ouais, il m'en manque 3, donc je le fais à l'opportuniste. Elle est où? Machine bench. Oui, 120 clous, 40, 10 d'époxy, 24 de corde, donc il faudra que je récupère de nouveau de la corde. Je refasse de la corde, ok. Bah tiens, 12, ça va faire 120 clous. Hop. Il suffit juste que je tombe sur un loup et ça sera bon hein, pour la fourrure. Fais-moi 20 cordes de plus. Ça sera un bon début. Ok. Toi du coup, t'as tes 120 clous. Il m'en faudra 120 derrière pour faire la maçonnerie bench. 10 d'époxy. Et 40 lingots. Donc l'époxy, il est prêt. Il manque juste les lingots. Ils sont en train de se faire. Mais... En attendant, on va récupérer un peu de fourrure. Eh oui, pardon, salut au Teigum. Et pas de fourrure sur le lapin, ce coup-ci. Chamois, je sais que t'as pas de fourrure, mais bon, dans le doute. Et one shot avec un couteau, oui, bah oui. Le lapin au couteau, normalement. Toi, par contre, tu peux en avoir. Toi, tu peux en avoir.
Tu en avais. Ce qui m'arrange. Est au hasard. Non, toujours pas. Au passage. Toi, oui. Tiens, toi, tu devrais manger. Tu devrais manger. Tu devrais faire ça. Et... tu devrais dormir. Ouh, qu'est-ce qu'ils ont les serveurs ce soir? Ça m'a plu. Je suis avantagé de contrôler les lapins. Mais je vais pas me battre avec mes griffes, hein, quand même. Il va falloir bien... je vais prendre ça pour préparer... Mortier, tu es où? Steel Room, Carbon Paste, il m'en faudra plus tard. Juste un Steel Room, ça suffira. L'époxy, je récupère 10. Et... combien on avait dit? 40, c'est ça? Oui, 40. Bon bah en attendant, on va retourner dans la première grotte. Elle est où? Elle est là. Lui il a pas repopé. Très bien. Eh ben c'est le recrash. C'est le recrash. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Pourquoi ça crache? C'est... je ne sais pas. Deuxième crash, alors que j'ai pas une température élevée ou quoi. Certains lapins ont des fusils, ouais. Je me méfie. Ah bah super. Ça va sauvegarder au moment où je partais. Et du coup là il va avoir repopé. Quasiment sûr. Voilà. Pas m'emmerder. Poum poulum poulum. Ici,
qu'est-ce qu'on a? On a du charbon, il reste juste un petit peu d'alu. Puis du platine, ça sera toujours utile plus tard. Puisque je peux faire... la composite paste. Avec soit de l'or, soit du platine. Alors, est-ce qu'on a nos 40? Oui. C'est parti. Pourquoi je sors? J'attends et je sors. C'est ça, j'en récupérerai ailleurs du... non, ça c'était bon, deploy. Ok, concrete, 12 lingots. Concrete furnace, hey, il faut d'abord du ça. 20 lingots, 8, 8 clous également. Donc 8 clous. Tu les as. 8 cordes, 40 cailloux. On va faire une vingtaine. 8 cordes. J'avais dit 40 cailloux. 20 lingots et du bois. Ah bah voilà, quand on parle du loup. On envoie le museau. Ah non, pas le museau. La crinière? Non. Donc. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, du bois. Je lui ai dit qu'il fallait du bois. Ouh, c'était ricrac. Ah mais du bois, il m'en restait. Oh, non mais c'est pas possible. Recrache. Qu'est-ce qu'il a le jeu ce soir? Il y a un truc... D'habitude il fait pas ça. Ah. C'est arrivé ces derniers temps qu'il crache, mais là... Deux fois d'affilée comme ça en 5 minutes de temps. Je vérifie juste. Compris moi. Ah peut-être que ouais, le fait que les serveurs ouais, je peux pas reprendre en offline en fait, une fois que
j'ai démarré une partie en ligne, même en offline, en fait, c'est d'autres persos. Enfin, si je vais en offline, il faut que je parte. C'est là, je suis trop balèze. Non, mais potentiellement, ouais, il y a peut-être un problème côté serveur, parce que j'ai eu plusieurs fois le message de déco du serveur. Forcément, là, il y a des textures dégueulasses. Toi, t'en étais là. Et j'en étais à il me faut du bois, mais en fait, j'en avais. Ah, non, j'en avais là, mais j'ai fait tellement de trucs. En fait, j'en ai plus. Donc, il me faut bien du bois. Je cherche trop de MP3. Je sais pas sur quoi ils sont hébergés, si ça se trouve. C'est leur hébergeur qui a des soucis, hein. Mais bon, normalement, les datas, elles sont stockées localement. Le serveur, il sert juste à initier les prospects, à stocker les infos. Mais oui, en y repensant, c'est vrai que le mode offline, j'aurais dû créer ce perso en offline dès le début. Après, je sais pas si je peux accéder à tout ce que j'ai dans mon workshop. Alors, qu'est-ce qui manquait? Les lingots. Il ne manque plus les lingots. Et toi, ça sera 12 d'époxy, 12 lingots. Il va me manquer un petit peu d'époxy. Du coup, silica, caillou. Qu'est-ce qu'il me faut? Du trisap. Mais il m'en faut un trisap par béton, et déjà il me faut 20 béton, donc 20 trisap, ça suffit. Ok, toi tu vas refaire de l'époxy. Toi. Ah, il manque du silica. Ah. Fais-moi déjà ça. Et silica. Loup. Ça me fait penser, j'ai pas fait un vrai arc. Je suis toujours avec mon arc en brindille là. Alors, non, même en offline, ta sauvegarde elle est synchronisée en local. Mais même en online, la sauvegarde est synchronisée en local. Alors, je suis juste en train de me dire. Enfin,
falloir 30 de béton, 40 lingots d'alu vers le fabricateur pour pouvoir aller sur la Stanium Pickaxe. Il faudra déjà que je fasse l'alu et la fibre de carbone. 52 d'alu, il faudra. Au-delà des 12 lingots de titane. Et il faudra beaucoup plus de silica. Du coup, j'ai dit 30 béton de plus. Déjà 30 trisap plus. Donc là, j'en ai pas assez. Là non plus. Donc, vas-y. Là-dedans. Et un peu plus d'époxy. Et toi, t'as terminé. Il m'en reste 50, mais je me le garde de côté. Ça, c'est presque terminé. Par contre, est-ce que je peux me faire mes 12 lingots et du clou? Allez Loulou, viens dans l'eau. C'est quand même plus simple dans l'eau. Ok. D'ailleurs, j'avais dit un vrai arc. Du coup, non, je t'ai récupéré, mais je t'ai pas fait. Ce qui me manquait, oui, il me manquait 12 d'époxy, 12 lingots. Époxy, 12 et 8 cordes, si mes souvenirs sont bons. Cordes, refaisant une vingtaine. Et voilà. Ok. Qu'est-ce que je cherchais?
Ça et ça. Et ça. Ça, je te récupère. Commence par le platine si tu veux. Mon Dieu, je viens de découvrir un truc génial. Ceci dit, pourquoi il avait commencé par le platine? C'est bizarre. Toi, tu crames pour rien. Ma pioche, elle est quasi pétée. Moi, par contre, j'ai ce qu'il faut pour faire ça. Et on va déjà se faire ça. Je sais pas où je vais te mettre. Eh, ça passe là. Nickel. Nickel. Alors, il m'en faudrait 4 déjà comme ça, s'il vous plaît. Ça nous faut du caillou, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai encore des cailloux? Non. Ça me fait mal au cœur d'attaquer la deuxième pioche pour du caillou. Donc je vais attaquer avec une pioche en caillou, le caillou. J'ai pas récupéré de string limit, moi, d'ailleurs, tiens. J'ai tué un seul loup en même temps. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !